chauffer et nous bien accompagne le client, M. Pépier, lui, pour lui donner une déposition contre un policier qui finit sous l'argent avec lui. Comment nous connaît, il y a une offense sous le POCA, bribery, de public official. Et évidemment, le client n'a pas fini envie d'une bribe qui que ce soit. Il était obligé de donner ça à l'argent qu'il dit, une donnée de ce langage de l'Évangile Central CIB, qu'il est pour répéter aujourd'hui, à cause du CPP, de représailles qui, par la suite, finit là, de torture là. Et il y a une somme de 40 000 euros qui, un certain policier qui nous donne notre nom, finit demander avec lui, et lui, en trois reprises, il donne 10 000. 7 000 et 3 000. Et quand les parts donnent sa balance de 20 000 pour arriver à 40 000, les subissent un torture. Moi, je tiens à trouver la vidéo. Et aussi, très important, nous vous demandons les CAC qui lui est afforded sa witness protection là. Et qui peine aucune poursuite qui est une bribe un public official. À cause de là, il peut venir pour dénoncer dans quelles circonstances un public official fait une prancasse avec lui. Ça, c'est un. Et comment se trouver, et tout ban client qui nous peut représenter, pro bono, dans ma case de torture là, nous permet de comment nous dire, de friction. C'est-à-dire, là, nous, devant les CAC, nous faisons une motion qui nous dit faire pour case mode rayé pour joli cœur. Là, il y a débat le 13 juillet pour rayé. Les autres charges qui sont là, il y a ce bail motion. Et pour tout le monde qui nous prend cette case, nous pourrons aller jusqu'à la fin. Merci. Maître Dilok Dari. Bonjour. Mon camarade Akil, il couvert presque 8 jours. Mon camarade Akil, c'est ça, ensemble avec Robin Bongapile, Anoub Koudari, Lakshrampat, nous finissons prendre un engagement ensemble avec les autres camarades Avengers. Nous représentons une victime, brutalité policière, torture, une base pro bono. Et je remercie tous ces avocats et les journalistes engagés. Mais là, il y a un véritable professionnel, un avocat engagé qui peut faire ce travail d'une façon bien professionnelle. Fini mettre motion pour essence David Jolicoeur meurtre et à la suite il y a une autre chose qui peut débattre les 13 juillet quand nous mettons motion pour essence, c'est-à-dire une allégation de lancer contre David Jolicoeur. Nous pouvons faire même motion pour une chose provisoire qui fait une logique contre Christophe Pierre-Louis. Et nous pouvons à IPCC pour demander un coup de l'enquête fin arrivée et qui fait un convoqué pour l'exercice identification qui Central CID pas fin récit faire. Aujourd'hui, objectif nous venons l'ICAC, c'est-à-dire Christophe Pierre-Louis pour nous raconter de qui circonstance la fin demande l'argent. C'est-à-dire une affaire de demanding money by threat. Et dans quelles circonstances, comment mon camarade Akil Bissessor fait dire, il fait obligé de remettre ce salon-là. Et quand il n'est pas fait réussir, remettre ce sa totalité, qui parle la fin demander, parle la fin trappler, fin tout et tout si vous connaissez ça, cette vidéo-là, les deux domaines publics. Donc, ICAC pour ça considérer s'il est capable de donner nos clients immunité sous section 49 de Prevention of Corruption Act, Protection of Informers, et aussi mettre un case de public official extorting bribe, ou bien même demanding money by threat. Right? J'espère que l'ICAC fait une enquête sérieuse. Parce que cette institution-là nous finit beaucoup près. Nous finit overwhelming evidence de Pakistan. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas tout ça là été. Est-ce qu'il nous peut développer une culture impunité? Aujourd'hui, quand on dit un politicien au pouvoir certaines affaires, il dit où Algate God. Qui garde pas Algate? Central CID. Il y a où? Al-Likak.
ça les quatre là. J'espérais que ça va l'institution là ressaisir je et commence travail dans l'intérêt des peuples parce que tout ça va l'institution là rouler avec l'argent des peuples. Je payais des deniers publics. Merci.